Bébé, on est venu chercher un ami. Il s'appelle Jean-Claude Mouaka. C'est un bon comédien à Paris. Il est très fort et c'est un bon gars. C'est mon bon gars, lui. Mon frère. Vous êtes mon gars. Mon frère, comment tu vas? Ah, ça va. Mais tu as ramené la pluie, là. Parisien jusqu'au bout. Ah. Putain, c'est comme à Paris, hein, vous avez des embouteillages. Hein. Tu vois, c'est la jeune. Il y a tout ici. Ouais. Tu vois ça? Ça, c'est pour le volant. Ouais, tu vois, il y a plusieurs qualités. Il ne faut pas croire que ici, c'est la pacotille. Je pense quand même, toi, tu aimerais plus Paris. Je pense que si tu aimes bien Abidjan, tu vas vraiment aimer Paris. Il dit, moi, il y a qu'à laisser Abidjan pour aller vivre à Paris. Est-ce que c'est normal ce qu'il dit là? Le commerçant m'a dit que ce n'est pas normal. C'est mignon, Abidjan. Mais je pense que t'aimerais plus Paris. Je pense que t'aimerais bien vivre à Paris. Attention, tu vas rouler sur lui. Ça va pas la tête. Comment tu veux me dire j'aimerais plus Paris? Hein? Je suis trop à l'aise ici. T'es à l'aise de quoi, mec? Nous, ce qu'on nous montre de l'Afrique à la télé, y a rien d'être à l'aise. Hein? Attends, tu penses que si on t'avait montré le paradis qu'il y a ici, à la télé française, tu penses que tu serais resté là-bas? Mais attends, vous tous, vous allez venir nous coloniser ici? Je te dis, Abidjan ici, je suis à l'aise. Avec mon travail de comédien, je vis ma vie normalement. Je suis directeur artistique de mon entreprise. Tu penses que si je n'avais rien, j'allais avoir ce joli biscuit au lait yaourt mielleux qui est derrière moi? Rimba, rimba, rimba! Et bébé, mais toi, il sait que si tu as le visa, tu vas jamais partir pour me laisser. Chérie, si moi, il y a eu ça demain, ma belle. Tu dis quoi? Descends là. Descends, michetonneuse. Tu as me répété que la France est mieux que l'Afrique. Je suis pas d'accord avec ça. Bah alors pourquoi il y a des gens qui migrent? Bah, t'as entendu l'histoire des migrants? Hein? T'as entendu les gens qui partent en bateau, qui meurent dans l'eau? Pourquoi ils fuient l'Afrique si l'Afrique c'est... Hein? Il y a des gens qui partent. Oui. Pas tout le monde qui part. Tu sais, sur un arbre, quand deux feuilles tombent, ça veut pas dire que toutes les feuilles de l'arbre sont tombées. Hein. Tu comprends? Donc, je suis une minorité pas en France, ça veut pas dire que c'est toute l'Afrique qui s'en va. Si nous tous on devait partir en France, là, tu es sûr que vous allez pouvoir nous arrêter à Poitiers? On n'est pas des Sarrasins. Nous, on est des Africains. Hein. Si on était allé là-bas, on allait tout gâter. Bambou nous là-bas. Jusqu'en Russie. Tu vas me dire que non, on est des immigrés. Quand vous venez en Afrique, là, on vous appelle comment? On vous respecte, on vous appelle des expatriés. Parce qu'on considère que vous avez quitté votre pays, vous venez investir ici. Et c'est la même chose qu'on fait. Pourquoi vous ne nous rendez pas l'appareil? Vous nous appelez immigrés. Jean-Claude, on t'a dilué. C'est Jean-Claude, ce qui est malheureux, c'est que vous voulez dénigrer l'Afrique. Pourtant, vous respectez même pas votre planète. Comment ça, on respecte pas la planète? Vous polluez la planète? Genre, vous polluez pas, vous? Nous. Oui. Ouais, non, on pollue. Voilà. C'est vrai, on pollue. Mmh. Mais oui. C'est grâce à vous qu'on pollue aussi. C'est grâce à vous. Toi et tes frères, là, vous venez dans nos forêts avec vos grosses machines pour voler nos bois pour bâtir. Et vos grosses machines, vous détruisez nos terres. Vous volez le cobalt. Vous prenez l'uranium. Vous mettez les déchets toxiques dans la mer, tout ça. On vous a dit la mer, c'est pour vous. Je te demande, réponds-moi, Jean-Claude. Hein? Ouais. En France, quand tu parles, tu vas leur dire que Moses dit n'est pas content. Sinon, on va aller vous trouver là-bas à Poitiers. Voilà. Ça, c'est la place d'un directeur artistique africain qui a réussi. Les Africains sont entrepreneurs. Ils sont ambitieux. Mais vous êtes aussi miséreux. La misère existe beaucoup en Afrique. Mais la misère, c'est partout. Je suis allé en France, il y a vu des dents. Montfermeil. Ah! Là-bas, la misère qui est là-bas, c'est le grand-parent de la misère même. Saint-Denis. Là-bas, on grille les rats, on braise les rats, on vend les rats braisés. Vous êtes des rats palmistes. Kosovo, Tchétchénie, Bulgarie. On voit ce qui se passe là-bas. L'Europe, là, c'est pas seulement les Champs-Élysées. Hein. C'est aussi la misère. Il y a la misère là-bas. J'ai vu de mes propres yeux. Tu vas venir comparer la France et l'Afrique. Je vais pas partir là-bas. Tu vois qu'ici, c'est beau. C'est l'Afrique. J'avoue. Tu sais, avec le peu qu'on a là, on est heureux. Mais Paname, une ville stressante. C'est-à-dire, même quand tu descends du métro, tu es obligé de marcher dans le stress. C'est pressing. C'est pas ça. Vous avez l'argent, mais vous vous fâchez. Vous êtes obligé d'aller chaque fois en week-end pour oublier le stress. Et puis, tu sais, on est au courant, hein. Les suicides là, on est au courant de ça. Vous avez la vie, vous suicidez. Parce que ta chérie a snappé, ou bien elle a regardé le compte de quelqu'un, vous vous suicidez. Elle est tellement la vie est grandiose chez vous, que vous mourrez de manière grandiose. C'est ça. Donc en fait, t'es en train de dire que l'Africain a peu, mais il est heureux. Effectivement.
Et nous, on a tout, mais on est malheureux. Vous êtes malheureux. Et c'est ça la tristesse. Non, mais à la base, je suis africain, hein, moi aussi. Regarde, regarde, ça, c'est le nez d'un Congolais, ça. Tu es africain, oui. Mais je suis africain. Là, c'est quoi le balingala là. Là, ça m'a regolé, manana, pépé, les biscuits. J'aime ça. Mais reste français. Voilà. Puis la seule chose que je te demande, n'oublie pas tes origines africaines. Arrête de te fier à tout ce que tu vois à la télé. Tu sais, parce que moi, là-bas, je suis français que quand on gagne la Coupe du Monde, hein, ramener la Coupe à la maison, mais sinon, j'oublie plus. J'oublierai plus, je sais. Ah, tu as intérêt. Oui, j'oublie plus. Tu as intérêt. Soyons humains. Voilà. Sois humain. Voilà, sois humain. Sois humain. Voilà, humain. Voilà. Tu dois être humain. Oui, humain. 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 Pardon.